Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois récemment, Poupette Kenza a fait face à une épreuve extrêmement difficile. Durant son séjour au Maroc avec Alan, il a été confronté à une grave crise. La jeune femme, inconsciente et étendue par terre, a été amenée à faire un geste considéré comme impardonnable par les internautes. Sur Instagram, Poupette Kenza compte plus d'un million d'abonnés et partage tous les aspects de sa vie quotidienne, y compris sa vie familiale et de couple, ce qui lui vaut de nombreuses critiques. Souvent au cœur de controverses, elle est accusée de maltraitance envers ses enfants ou de tromper ses abonnés sur sa supposée rupture avec son mari Alan. Toutefois, cette fois-ci, une scène impliquant Alan a suscité une grande surprise. Le 1er juillet dernier, habituée à prendre des photos de chaque aspect. Poupette Kenza, actuellement à Marrakech, Poupette montre la complicité avec sa petite famille, en particulier avec sa fille, mais Poupette n'hésite pas de répondre à ses détracteurs et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Et tout. Vous avez vu le glow-up physique, mes poupettes? Le glow-up physique du Maroc, ce qui me fait. Comment j'étais terne, pâle à Dubaï, dépressive. Même Alan, même Calice, même Céana, regardez comment on est. Regardez. Ça a grave changé. 8-10 ans. Waouh. Ça fait au moins 15 ans que je suis pas venue ici. Ça date. Alan, il a pas eu le temps de profiter l'année dernière, on va profiter ensemble du coup. Est-ce que je profitais l'année dernière, que je vais profiter avec toi, mais vous faites, vous l'avez traqué partout, c'est très très bien. J'avais les endroits où il était toutes les secondes, c'était super. Du coup ça me rappelle des mauvais souvenirs ici, mais bon. Ah mais... Ah, purée, les filles, on a été accueillis dans une maison juste magnifique. Je vous montre ça tout de suite, vous allez être choqués. C'est juste dommage qu'on reste que 24 heures. Je suis traumatisée, j'aurais trop aimé faire 10 jours ici. Voilà. Oh, je vous montre ça. Bon, vous êtes prêtes, mes poupettes, room tour, ok? Donc là, tu rentres. J'essaie de vous faire un express parce que la maison, c'est un labyrinthe. Donc là, tu rentres, t'as une petite entrée comme ça, d'accueil et tout, magnifique. Ensuite, t'arrives ici, les filles, je vous montre, c'est somptueux. Donc t'as un petit coin même. Alors regardez, hein. Regardez comme c'est trop, trop beau. C'est magnifique, les filles. Regardez, donc là, t'as un petit coin hammam. Avec Alain, on va se faire un petit hammam ce soir, c'est sûr. Ciel étoilé et tout, magnifique. Ici, t'as une douche, il me semble, parce que j'ai pas tout retenu, il y a tellement de choses. Voilà, t'as une petite douche ici, sublime. Ensuite, tu montes
marche ici, les filles, t'as le premier étage. C'est magnifique, regardez. Donc là, tu montes. T'as écrit Love Swan. C'est la maison d'une poupette, les filles. Je vous la partage si vous voulez. Donc là, c'est un petit plexi et tout. Et là, t'as la première suite, donc la première chambre. Trop, trop belle. Magnifique. Regardez le style et tout. Trop canonissime. Avec la petite douche, la petite salle de bain. Magnifique. Avec un petit salon ici. Trop beau. Ensuite, tu montes. T'as un autre étage. Trop, trop beau. Et là, t'as la suite parentale juste incroyable. Regardez. Donc là, c'est la suite. Donc là, t'as toutes les décos et tout sur les murs et tout. Et là, t'as une suite. Magnifique. Regardez, s'il vous plaît. Hop. Là, t'as un petit coin comme ça, évier, toilette et tout. Trop magnifique, les filles. Entre 200, regardez ce qu'ils ont mis. Entre 200 et 250 euros la nuit, les filles. Trop bon. Hop, et ensuite, tu montes en haut. T'as un petit salon ici. Tradi et tout, magnifique. Avec toilette et tout à chaque étage. Petite cuisine aménagée, trop beau. Ils nous ont fait un petit brunch et tout. Et en haut, j'ai plus de force. Là, t'as tout le plexi, tu vois toute la maison. Et en haut, t'as la big terrasse, vue sur tout Angers. Regardez si vous posez, vous mangez et tout. Et là, regardez. Big terrasse. Un bon petit buffet, les filles, on va se régaler. Regardez comme c'est trop mignon. Oh là là, c'est trop mignon. Elle a voulu. Je m'appelle comment? Poupette. Non, c'est pas Poupette, moi. Kenza. Non. Je m'appelle comment? Poupette. Ah oui, C'est bon, je vais y aller à votre resto italien, là, le Père Mangano et tout. Vous m'écrivez toutes pour me dire ça. Vous savez que j'adore les pâtes et tout. Je vais y aller, il a l'air excellent. J'ai envie de pleurer des larmes de rester qu'une nuit ici. J'ai envie de pleurer des larmes. Genre Tanger, je sais que tu le fais pas en une nuit, je sais. Nous les filles, quand on était petits avec mon père et ma mère, on allait à Tétouane et on faisait toutes nos vacances à Cabo Negro. Je pense que vous connaissez. La plage, les plages sable fin, blanc et tout, magnifique. On avait une maison au bord de la mer, on faisait nos vacances là-bas. Incroyable, mon père ramenait nos jet ski, nos quads. On a eu la vie de jet set, les filles, à l'époque. Bref, le road trip, Inch'Allah, il va reprendre en juillet, les filles. On va le reprendre parce que avec Alan, il y a trop de villes qu'on n'a pas fait à fond. Il y a des villes... Asfi, on n'a pas fait. Il y a plein de villes, les filles. Ouzoud, comment ça s'appelle? Il y a plein de trucs. Je voulais trop faire et j'ai pas fait. Donc, de toute façon, tout l'été, on va être au Maroc. Voilà, tout l'été, on va casser le Maroc. On va retourner le Maroc. On va monter chez nous. Saïdia, Oujda, Bliken, Rgeda. Voilà, on va monter. On va tout casser cet été. Mais pourquoi je disais à Alan? Nous, Inch'Allah, vous savez, sur Marrakech et tout, ou même dans d'autres villes, on veut faire une maison d'hôtes où on accueille des gens et tout. Bah ça, ça, vous voyez ça, ça représente le Maroc. Le béton comme ça, brut et tout. C'est ça que je veux faire. Ça, c'est totalement mon style. Genre ça, c'est mon style de maison. Ça, c'est trop. Ça, c'est le Maroc, c'est chez nous. Vous voyez ça là? C'est ça le Maroc. Donc, c'est pas le carrelage et tout. C'est vraiment la pierre. Je sais pas, ça, c'est de la vraie main d'œuvre. J'aime trop. Bon, voilà ce qu'il faut dire ça. Je sais pas, j'ai hâte qu'Alan il m'emmène où il a été l'année dernière. Voir s'il a honte de sortir avec moi à Tanger. Avec sa femme enceinte et tout. On verra. Bon, les filles, j'ai mis les dernières tenues qui me restaient, je vous jure. Petit haut, petite jupe. On va aller un peu sur la corniche, on va aller sur la plage et tout. Ça se voit, ma tête, je suis fatiguée. Ce qui me traumatise, c'est qu'à la fin du road trip, je ne suis plus bronzée. Voilà. C'était que je ne me suis pas posée une fois à la plage pour bronzer et tout.
J'ai envie de pleurer. Papa, t'as dit qu'il a oublié de la Mais c'est pas comme ça qu'on met la casquette. Tata. Vas-y, bah, mets-la. Regardez, s'il vous plaît. Vas-y, mets-la. Regardez. Regardez, regardez. Il la met comme un vendeur de figues. Voilà. Ah. Tu veux que je te la mette? Ou c'est bon, Tami? Oui. Mais t'es trop laid comme ça, Sahbé. T'es bon. Ça. Mais non. Ça. T'en penses quoi, Zéana? Pas bon. C'est bon comme ça? T'es prêt? Mais on dirait un bodybuilder, c'est quoi ça? Calice, viens là. C'est que des copains. Ah, viens là. Allez, on y va à la plage. Bah, on te laisse ici alors, au revoir. Yallah, ajoute ma aïe à Calice, yallah. Yallah, nous mchéo, nous mchéo le bhar. Nous mchéo le bhar, on va à la plage. نمشيو للبحر زينا نمشيو للبحر سي كون البحر البحر سافي دير كوا بالسلامة نو شكرا سلامة سافي دير كوا زينا شكرا نو سافي دير لا بور بوكي هنا علي شي الحنوت تشوف كومون سامو Ah les filles, j'ai trop la rage. Ah, un fils de chien de sa race.
Ah là, il traversait la route, il est venu en moto, il lui a arraché sa casquette élevée. Ah, j'ai le démon. Ah, j'ai le démon. Ah, c'est voleur. Ah, j'ai trop la rage. Ah, j'ai trop la rage. Ah, j'ai trop la rage. Ah, vas-y, n'emportera pas. Bah oui, t'étais pas concentré, ma vie. Bah, bah ouais, c'était impossible de l'attraper. De toute façon, il est venu en moto. Ah, j'ai le démon, ça commence bien. Non. Ah, comment ça me fout. Il a un voleur, lui. Ah, j'ai c'est trop pas la rage. Rigolo, des voleurs. Voilà, ouais, je sais que t'as la rage. Ah, là, on il a trop les nerfs. Pas avec des voleurs. Il aurait dû me cogner, wesh. Ouais. Là, ça fait trop les nerfs. Vas-y, tenez vos affaires, mes amis. Tenez. Ah, j'ai le démon, là. On est trop content. Faut aller vendre trop. Très bien, donc, voilà. Ah ouais, en fait, je vous jure, là, ça nous a tendu. C'est... Ah, voilà, ça me... Ah, là, tu sais que c'est toute mon enfance, ma vie. Tu sais que là, je revois toute mon enfance, les filles. Il a trop les nerfs pour sa casquette. En fait, le vol, il était tellement bien fait. Genre, il est passé en moto, il l'a pris, il a continué à rouler comme si de rien n'était. C'était tellement bien fait que c'est frustrant, en fait. Je l'aurais mérité un coup. Dans sa moto, qui sait que ça a rien de fait. Ah là là. Et qu'on récupère la casquette avec une patate. Mais un coup, je suis transat, là, non? Fais une. Il n'y a pas de transat, ma vie, wesh. J'ai boum. 5 dirhams le transat. 50 centimes, c'est pas cher. Chal, tu sais, Kamel? Ouais. On est gagné à 30 dirhams bien par an. Des dirhams en temps, 50 centimes. Ah, table, la réhite, ha, 10 dirhams, elle me plaît. On n'en veut pas la table, mais allez. Bon, bah, Kamel, je suis là, quoi. Donc, 30 dirhams par an, goûte-les. 30 dirhams par an, ça va être 50 à l'étranger. Il y en a 130 dirhams. Eh, t'as 50? Ouais. Mais galèche 50, galèche 5 dirhams. والله سمحت لك ما في 50 درهم لا شيت لو ترانزات لا مي جو سي كسي ريان مي قال لك بالفرنسي قال لك فرونسي لا لا قال لي بالعربيه قال لك 50 5 والله سمحت 5 بصح معليش يما لا لا بلاش اخويا فازي مون كار دوني 130 درهم سي بلي سي فاكونس سي با غراف وي تي فو كوا مون كار كار سيلا Oui, mon amour! Oui! Et toi, ma fille? T'es sûre? Bon, les filles, le policier nous a dit d'aller porter plainte, que vu que c'est une rue passante, il y avait des caméras, mais vas-y. Comment tu veux retrouver le mec? Vas-y, viens! Viens! Hé, donne-moi ça! On va dans l'eau! Suis-moi! Voilà ce qui m'a fait toutes tes vacances, voilà. Voilà, regardez ce qu'il fait. C'est ça? Voilà. Voilà Calice, dans toute sa splendeur. Voilà ce qui nous a fait toutes tes vacances. Tu veux quoi? Vas-y, ok, je le laisse pleurer. Voilà. Alors, c'est bien la plage, mon fils? Tu peux avoir un bisou, tu penses, par exemple? Tu peux pas faire un bisou, tu penses? Un bisou, je pense que c'est possible. T'es trop belle, ma fille. Maman, est-ce que nous, on va nager tout seul? Non, mon cœur, on est avec vous. Mon amour, juste maman doit surveiller les affaires. Maman va pas bouger d'ici, si papa veut vous emmener ou l'inverse. Comme vous voulez, maman, bouge pas d'ici. Tu veux aller dans l'eau, ma chère? Non, mon cœur, mais je veux aller au bord, y a pas de souci avec les enfants. Elle a l'air fraîche, là, non? Tu es au bord, hein? Ouais. Il y a des requins et tout, les filles, ici. Hein. Il y a des orques et tout à Tanger, non? C'est pas le détroit où il y a les orques qui s'amusent avec les bateaux et tout. Moi, j'adore les animaux marins et tout. Après, je pense pas qu'ils viennent à la surface, mais cette mer-là, je sais qu'il y a des requins, des dauphins et tout. Et j'adorerais faire des excursions avec des orques. C'est mon rêve, c'est mon animal marin préféré. Je les aime trop, les orques, ils sont trop intelligents. Regardez une pêche protectrice de vêtements d'affaires là. Je suis en PLS, ils ont dit que c'est une plage avec beaucoup de vols. Et que là, ils venaient d'attraper un voleur tout de suite. Donc moi, je reste à côté des affaires à Alan. Mais Skin, wallah, il se l'a acheté la casquette quand on est parti à. Ah, mon bébé, mon mari, il fait trop de chèques, wallah. Il s'en est fait voler une à Agadir. Et une là. Il est parti se la racheter et ils l'ont volé. Qu'est-ce qu'il a? Elle est très froide. La chokrana, quoi, la chokrana.
Et puis on n'avait même pas vu tout à l'heure qu'il y avait une caméra juste là. Et on s'est fait voler là. Oui mon fils, ici. Voilà, on essaye. En fait, je suis prête. Bon, je me suis préparée vite fait. Et là, je suis en serrage. Bon, là, je suis de mauvaise humeur d'un coup. C'est la petite, les hormones et tout, je pense. Mais je suis trop de mauvaise humeur. Je sais pas pourquoi. C'est, je sais pas. Je suis de mauvaise humeur. Du coup, là, on va aller manger. On va sortir un petit peu. On va se balader. Là, je vous cache pas. Hein. Là, le road trip, il se sent sur mon corps. Hein. Genre là, je suis épuisée. J'ai des contractions de plus en plus. Genre là, je suis pas bien. Genre, peut-être je suis en début d'infection urinaire parce que quand je fais pipi, ça me brûle. Tout ça. Alors que j'en ai pas eu de tout le road trip. Faut que j'en ai maintenant. Là, je sens. Que la fatigue se fait ressentir. Là, c'est je sors pour sortir. Je sors vraiment parce que faut sortir, parce que Alan il aime trop sortir, parce que les petits faut les sortir dehors. Mais sinon, je vous jure, les filles, je reste à la maison. J'en peux plus. Carrément, regardez ma dégaine, j'ai bien sûr mettre les filles. Un petit haut, un petit bas. Ça y est, non, ça y est, vous allez manger. En plus, regarde, tu t'es taché, mon trésor. On va manger. J'aime trop cette maison, les filles. Je suis trop bien dedans, je sens bizarre et tout. Ma fille, mon amour, elle a fait un road trip avec nous. J'espère que le prochain sera avec nous. C'est trop hâte. Drue, les filles, c'est trop, trop bien. Hop. Moi, je suis sur mon téléphone, maintenant j'ai peur. Tout à l'heure, on était au commissariat, le policier l'a dit. Il y a deux téléphones arrachés aujourd'hui. Oui, mon amour, il y a eu deux téléphones arrachés aujourd'hui. Je suis en PLS sur mon tel. À chaque fois que je le sors, je le descends comme ça. Je suis en PLS. Bon, là, ça. C'est pas le Maroc que j'ai connu, ça. Enfin, oui, en vrai, ça a toujours été comme ça. Mais skin, il vit la misère et tout. Mais c'est pas raison pour voler, wallah. Même si tu vis la mort et tout, tu voles pas, wallah. Allah, il te donne encore moins après. Ami que j'aime. On est au restaurant. Calis, t'as faim? Tu vas prendre quoi, pizza ou pâtes? T'as dit quoi? J'aime trop les poupettes. T'aimes trop les poupettes maintenant? Les filles, vous savez que c'est Anna. Elle a pris ma relève. Si j'aurais fait un compte Insta ou TikTok, ça aurait été catastrophique. Elle fait des photos avec tout le monde, elle adore, elle veut aller les voir à leur table. Viens, ma fille, viens. J'aime pas cette sociabilité. Je préfère ça, mais. C'est Anna, viens là. Papa? Oh là là, oubliez pas, c'est l'anniversaire de ma maman. Eh, Willy. L'hishma. Ajit gilsi. Les filles, moi j'ai pris pas de truc. Excellente. C'est Anna, lasagne. Papa, une pizza. Excellente. Et Calice, pas de bon. Oui, vous allez partager, chut. Des vacances, les filles, on sait qui a été sage et qui a été pas sage. Maman, oui, maman. Maman, est-ce que je coupe la lasagne? Oui, je te coupe la lasagne. Tu la coupes? Très, très bon. Excellent. Trop bon. Donc, la seule personne qui a pas été sage pendant les vacances, pas beaucoup, c'est qui? C'est Anna. On a dit qui? C'est Cali. Ouais, c'est Cali. C'est chaud? C'est trop chaud, ma vie.
Attends, on va faire dans ton assiette. On fait le point après. Dans la cuisine. Chocolat, salé. Dans la cuisine. Ils ont dû choisir leurs glaces. Ouais. Elles sont où les glaces? Qui les glaces, les enfants? C'est pour qui? Qu'est-ce qu'il est taché? Oh là là. Waouh. Ça, c'est pour Calice. On dit quoi? On dit quoi, Calice? Et une pour ma fille. Chocolat, chocolat, chocolat. Ça fait un chocolat. De casquettes. Alan et moi, on est en train d'analyser toutes les casquettes de Tanger pour voir si on... Je rigole, les filles, ça y est, c'est passé, voilà, c'est passé. Mais MDR, imaginez, on voit marcher là, les filles, ce serait quoi votre première réaction? On voit avec la casquette, je vous explique. Si, ma poupette, on voit avec la casquette dans Tanger. Oui, ma vie. Là-bas, j'ai vu Zara. C'est vrai, mon amour? Oui, on peut aller acheter une casquette à papa. Si non, mon amour. Alors, je vais vous expliquer, ma poupette. La casquette, là, attends, mon cœur, j'explique. Ma vie, après, je te dis. La casquette, mes poupettes, c'est une dernière collection de chez LV. Ça veut dire? Si quelqu'un l'a dans Tanger, ce serait rare, il faudrait qu'il l'ait puisqu'elle vient de sortir. Et en plus, impossible qu'il l'ait fait en fausse dès maintenant. C'est impossible. Ça veut dire l'unique personne qui l'aura sur Tanger, on lui a racheté. C'est à nous. Voilà. Bon, c'était ça le story de Poupette Kenza, la troisième grossesse de Poupette Kenza, qui est largement partagée sur les réseaux sociaux, a récemment pris un tournant inattendu dans sa vie. Connue pour son honnêteté et sa transparence en ligne, cette influenceuse avait déjà annoncé qu'elle souhaitait faire une pause afin de se consacrer à ses études en médecine. Toutefois, la déclaration de sa grossesse avancée de 5 mois a étonné ses abonnés et provoqué une vague de réactions sur Internet. Poupette Kenza, déjà mère de 2 enfants, avait l'intention de reprendre ses études en 2025, un but qu'elle avait partagé ouvertement avec sa communauté. La déclaration de sa grossesse a non seulement remis en cause ses plans, mais a également suscité des débats passionnés sur sa capacité à jongler entre sa vie et sa vie. Comme pas mal d'influenceurs toujours dans les polémiques pour obtenir du buzz, après ses embrouilles avec la communauté juive sur la cause palestinienne, mais Poupette présentait ses excuses malgré tout, et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.